Norbert Arrière, le chef explique comment casser un œuf, mélanger le jaune au blanc, juste avec les doigts. Si on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, c'est une toute autre histoire quand il s'agit de monter des blancs en neige. Étape préalable, séparer le blanc des jaunes. Cuistot du dimanche, autodidacte ou grand chef. On passe tous par cette épreuve du feu qui demande une grande part de dextérité et de délicatesse. Seulement voilà, il arrive parfois que la coquille se casse de façon imprévue. Point. Pas de panique, le chef Norbert Arrière, qui s'est fait connaître lors de la saison 3 de l'émission Top Chef, partage son astuce ultra facile et sans ustensiles pour séparer facilement les blancs et les jaunes. Le chef très populaire Norbert Arrière partage sur son compte Instagram, @arrierenorbert, une astuce reproductible par tous et sans ustensiles pour séparer à la perfection les blancs du jaune d'œuf lorsque la coquille est cassée. Si dans un précédent article on vous faisait part d'une astuce délirante pour casser proprement un œuf avec vos enfants, il arrive tout de même que la coquille se fissure parfois malencontreusement. Alors que faire? Le chef nous fait la démonstration en trois étapes. Astuce anti-gaspi. Réservez vos jaunes d'œufs pour réaliser une mayonnaise maison ou une crème anglaise savoureuse. Une fois les blancs séparés, il convient de bien les monter. Pour cela, le chef dévoile trois principes pour réussir à coup sûr ces blancs en neige. Île flottante ultra légère, mousse au chocolat aérienne, vos desserts n'en seront que sublimés. Découvrez également l'astuce de Yannick Alonneau pour réussir parfaitement la cuisson de votre œuf poché.